Good morgen, allez, Yiden. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 Adar Aleph 5776 et l'étude est Le'ilui Nishmat Rivka Batsara et Sima Bat Masouda. Nous étudions aujourd'hui le Baba Kama Perek Bet Mishnah Dalet. Eize hu tam ve eize hu muad. Muad kol shehei dubo shlosha yamim. Ve tam mishaya chazor bo shlosha yamim divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Mouad, Sheidoubo, Shalosh Pamim, Vetam, Kol Sheyu Atinokot, Memash Mishinbo, Ve'eino Nogeach. Cette Mishnah continue à détailler la dernière Mishnah du Perek Rishon, en nous expliquant à présent, on avait parlé des Chamisha Mouadin, donc l'un des cas c'était le taureau qui encore, et qui devient Mouad, qui devient averti. Cette Mishnah va maintenant nous définir à partir de quand je considère qu'un taureau est averti. Dans la Torah, il y a marqué « Onoda kishor nagach hu mitmol shilshom »« Velo ishmorenu be'alav shalem yishalem shor tachat ha'shor v'amet yelo » Quand la Torah, dans Parashat Mishpatim, nous explique, nous donne le détail les lois du keren, du taureau qui est encore, alors elle commence par évoquer d'abord le taureau qui était tam, c'est-à-dire un premier taureau qui paye juste Khatinezek, la moitié du dommage, comme ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Et puis ensuite, la Torah nous dit, ou bien, si ce taureau a été averti, on connaît ce taureau comme un taureau qui est encore, depuis hier avant-hier, Mitemol Shilshom, de là on déduit, et dans ce cas-là, il faudra payer Nezek Shalem, de là on déduit, Mitemol Shilshom, donc, depuis hier avant-hier, et aujourd'hui, là encore une fois corné. Donc après trois jours qu'il encorne, alors à partir du quatrième jour, il faudra payer Nezek Shalem. De là, nous déduisons donc deux cas de taureaux qui encornent. Il y a ce qu'on va appeler le shor tam, simple, inoffensif, que dans ces trois premières fois, il va payer Khatsi Nezek, la moitié du Nezek, et puis à partir de la quatrième fois, il devra payer Nezek Shalem, parce qu'il devient dans ce cas-là shor muad, un shor averti qui cause des dommages. Maintenant, la Mishnah va nous expliquer plus précisément à partir de quand exactement je considère qu'un taureau change de statut de tam, d'inoffensif, pour devenir ensuite muad, un taureau averti. Alors, on va voir qu'il y a sur ça deux avis. Comme ce qu'on a évoqué, la Torah parle de jours. La question va être, est-ce qu'on peut raccourcir ces jours? Une première question. Et aussi, un deuxième détail aussi, qui est moins explicite dans la Torah, mais qu'on le déduit aussi, c'est qu'à partir du moment où le taureau cesse d'encorner, alors on considère que maintenant il a repris son statut initial d'être un taureau inoffensif. C'est-à-dire, un taureau de nature n'est pas agressif, il passe des fois des périodes où il devient un petit peu trop nerveux, il encorne, et après quelques jours, il se calme, il reprend maintenant son cours naturel, son cours normal, et puis à partir d'un certain moment, je vais considérer qu'il a rechangé de nouveau son statut, il les repasse de Mouad à Tam, il va redevenir de nouveau un taureau inoffensif. Donc maintenant, ça me fait deux questions. Définir à partir de quand je considère que le taureau devient un taureau averti agressif, et à partir de quand je considère qu'il réussit à récupérer son statut d'inoffensif. Il y a une double discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir dans notre Mishnah. Rabbi Yehuda, lui, s'en tient au mot de la Torah. La Torah a parlé de jours, donc il y a trois jours pour devenir Mouad, trois jours pour redevenir Tam. Il faut bien évidemment que pendant ces trois jours, donc quand il encore dit encore, mais à partir pour les trois jours de retour au statut de Tam, d'inoffensif, il faut qu'il voie des taureaux et qu'il ne les encorne pas. Rabbi Meir déduit dans la Gemara par a fortiori, par Tal Vachomer, d'ailleurs peut-être que c'est une occasion d'introduire la prochaine Mishnah, on mettra un petit point dessus juste après. Donc Rabbi Meir, lui selon Rabbi Meir, on a la possibilité de raccourcir les jours. On déduit ça de plusieurs endroits où finalement, agresser trois fois en une journée, c'est bien plus grave que d'agresser pendant trois jours. Donc, si agresser pendant trois jours, même pendant trois jours, je te dis qu'il devient un mouad, il devient averti, donc à plus forte raison, s'il a passé une journée à encorner tout le monde, je ne considérerais pas que c'était une journée un petit peu exceptionnelle. Non, je considère que le taureau a réellement changé de nature et qu'à partir de maintenant, il devient agressif. Et Rabbi Meir pense donc qu'on peut devenir tam mouad en un seul jour. Et aussi, pour cette même raison aussi, Rabbi Meir pense qu'on peut aussi récupérer le statut de Tam en une seule journée,
en un coup même, comment? Comme ce qu'on va voir dans la Mishnah qui va nous dire que les enfants vont et tirent la queue, jouent avec le taureau, et le taureau n'entend pas, cette fois-ci en une seule fois, où le taureau nous montre qu'il a changé, qu'il a récupéré dans sa nature, il a calmé ses nerfs, donc il récupère ainsi ça, son statut de chor, tam, d'inoffensif. Donc on fait ça dans les mots. Eisehu tam, ve eisehu mu'ad. Quel taureau considère-t-on comme tam, comme inoffensif, ve eisehu mu'ad, et quel taureau considère-t-on comme un mu'ad, comme un taureau agressif, averti. Mu'ad, il devient mu'ad, kol sheidubo shlosha yamim, à partir du moment où on l'a averti durant 3 jours consécutifs. Ve tam, et par contre pour redevenir tam, mishia chazorbo shlosha yamim, à partir du moment où il redeviendra normal pendant 3 jours consécutifs de nos jours, divrei Rabbi Yehuda. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, selon Rabbi Meir, Mu'ad, Sheidubo, Shalosh Pe'amim. Un taureau Mu'ad, averti, ça suffit même qu'on ait averti 3 fois même, dans une seule journée. Shalosh Pe'amim, c'est plus Shalosh Pe'amim, c'est plus 3 jours. C'est Shalosh Pe'amim. Ve'tam, Kol Sheyu Atinokot, Me'mash Meshinbo, Ve'enon Nagar. Et un taureau Tam, maintenant, à part qu'on considère le taureau qui est devenu inoffensif, à partir du moment où Sheyu Atinokot mais Mashmeshinbo, où les enfants vont partir le caresser, jouer avec lui, il y a même un Yerushalmi qui précise qu'ils viennent le caresser entre sa une Tosefta, Shiyu Mashmeshinbo Ben Karnav, ils viennent lui toucher ses cornes. Et malgré tout, il n'encore ne pas Venon Ogar, il n'encore ne pas. Dans ce cas-là, il nous a prouvé qu'il a récupéré sa nature de Shor Tam. Pour la halakha, on tient la halakha dans les deux cas comme la vie le plus permissif. Donc pour devenir agressif, il va falloir 3 jours consécutifs. Par contre, pour devenir Shor Mouad, donc réputé pour être un danger public, et pour en récupérer son statut de Tam, ça suffira qu'il y ait les enfants qui jouent avec lui, même une seule fois, pour qu'il ne soit pas, pour qu'il récupère maintenant son statut de Tam de simplet. On fait ça maintenant avec les mots de Barthénora. Mishayarzor bo shlosha yamim. Là, on s'en tient maintenant et on revient sur l'avis de Rabbi Yehuda qui nous dit qu'il faut 3 jours consécutifs pour récupérer son statut de tam, d'inoffensif. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 3 jours? Bien évidemment, si on regarde enfermé à la maison et qu'il ne voit personne, on ne récupère pas un statut de tam de cette manière. Parce qu'en fait, il ne nous a rien prouvé, il ne nous a pas prouvé qu'il est redevenu normal. Mishayarzor bo shlosha yamim. Sheroe shvarim ve enonogar. Qu'il voit des taureaux, Venonogar, et qu'il ne les encorne pas, Roser le Tamoureux, il redevient ainsi Tam, inoffensif. Et Rabbi Meir nous dit, attention, Shalosh, Shalosh, Peamim, Shalosh, Peamim, Shalosh, Peamim, Vafilo Beyom Echad, même en un seul jour, il peut redevenir, il peut devenir Mouad, d'après Rabbi Meir, s'il encore 3 jours, 3 fois en une seule journée. Ven à la fin de Rabbi Meir, sur ce point-là, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Parce qu'on ne peut pas devenir mouad tant qu'il n'a pas encorné durant 3 jours consécutifs. Et ensuite, pour la Seifa, on avait vu, mais mashmeshinbo, que les enfants viennent et le caressent, moshrim oto, ou mesachakimbo, qu'ils le tirent ou qu'ils jouent avec lui, venonogar, et le taureau n'encorne pas. Ou Béa, sur ce détail-là, à la fin de Rabbi Meir, Shenchor Mouad, Choser et Tamuto, Achiyu Tinokot Mesafkinbo. Ce sens tiendra à la fin comme Rabbi Meir, que le Shor Mouad ne redevient Tam, peut redevenir Tam, Achiyu Tinokot Mesafkinbo, jusqu'à ce que les enfants jouent avec lui et qu'ils ne les agressent pas en retour. Un petit détail important, si déjà on a un petit peu de temps pour le dire, c'est... d'après Rabbi Meir, donc, le taureau pour devenir tam en une seule journée. Mais ça, c'est qu'à condition on sacrifie les enfants à les laisser s'approcher du taureau. Qu'est-ce qui se passe si le taureau ne voit pas de petits-enfants, mais il voit par contre d'autres taureaux et qu'il ne les encorne pas? Est-ce qu'il pourrait redevenir quand même tam au bout de 3 jours? Vous allez me dire, bien évidemment, oui, c'est vrai, le Roche le dit. Rabbi Akiva Eiger soulève que le Lachon de Barthénora, hein, pose un petit peu problème, parce qu'il te dit, Ubea la kha ki Rabbi Meir, Shen Shor Mouad Khozer le Tamuto Achiyu Tinokot Mesachakimbo. Attention, sur ça, on peut tirer la kha comme Rabbi Meir, que le Shor Mouad, que le taureau Mouad averti, ne peut redevenir Tam que si les enfants jouent avec lui. Le Barthénora laisse entendre qu'il n'y a pas la possibilité de redevenir Tam s'il n'y a pas les enfants qui vont jouer près de lui. Mais sur ça, comme on a dit, le Tosafot rapporte le Roche, qui pense que les deux
qu'on a deux, que le Shor Mouad redevient Tam de deux manières, donc, comme on a dit, en un seul jour si les enfants viennent jouer, ou bien en trois jours s'ils voient juste des taureaux. On s'arrêtera pour aujourd'hui, en vous souhaitant une excellente journée, pleine de Hatzlacha, Kol Tov.